pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour. Alors, nous nous offusquons des titres de la presse française sur l'Ukraine. Et oui, la presse française nous indigne. C'est vrai. C'est vrai. Rappelez-vous, pour l'Ukraine, de l'avancée extraordinaire des troupes ukrainiennes lors de la contre-offensive ratée de juin-juillet-août 2023. Mais rappelez-vous aussi des maladies successives du chef du Kremlin. Rappelez-vous de l'attentat de Nord Stream qui était attribué à la Russie. Rappelez-vous de tous ces faits dont on nous a serinés. Ouais. Mais moi, je viens vous dire que ce n'est pas la première fois, loin de là, que la presse occidentale et la presse française en particulier nous fait une désinformation absolument extraordinaire. Et alors, nous allons faire un retour de plus de 49 ans en arrière. Oui, il y a 49 ans et quelques mois, Phnom Penh tombait aux mains des Khmers rouges. Et que voit-on sur les titres de nos journaux? Khmers rouges qui ont déporté des centaines de milliers de personnes de cette capitale. Eh bien, les titres de notre presse, de gauche en particulier, Le Monde, Libération, L'Humanité, La Libération de Phnom Penh. Libération de Phnom Penh. L'enthousiasme populaire de la population de Phnom Penh qui a accueilli les Khmers rouges les bras ouverts. Vous vous rendez compte, les Khmers rouges ont commis un génocide de plus d'un million d'hommes. Un million d'hommes en 3 ans, 4 ans. Un million d'hommes. Et l'envoyé spécial du Monde nous dit cela. Mais c'est incroyable. Libération. Regardez le titre de Libération. Regardez le titre de L'Humanité. Quelques jours plus tard, Saigon tombait. Ce fut la libération de Saigon. Ah ça, c'est la presse était unanime là-dessus. La libération de Saigon. Et nous voyons déjà, nous avions vu déjà, nous à Saigon, des arrestations de masse. Les gens déportés ensuite dans des camps de rééducation. Un an plus tard, ce fut la catastrophe des Boat People. Plus d'un million d'hommes et de femmes qui se précipitent en mer de Chine pour fuir ce pays, pour fuir ce régime, pour fuir la faim. Non, personne n'a rectifié cette fois-ci. Et sur ces 1 million d'hommes, plus de 300 000 périrent en mer. Oui, sur ces 1 million d'hommes et de femmes, plus de 300 000 périrent en mer. Alors vous voyez, la presse française a toujours été assez étrange dans son information. Et puis depuis le Vietnam, nous voyons régulièrement, de fausses informations, vraiment. On a vu le positionnement de la presse française en Bosnie, on a vu le positionnement de la presse française en Libye. Alors, l'Irak en 2003, non, mais en 91, oui, etc., etc., etc. Et ne parlons pas de la Syrie. Alors là, la Syrie, la presse était unanime. Alors voyez-vous, la presse française pour l'Ukraine n'est pas vraiment différente d'il y a 49 ans ou depuis.
On a Yakovlev qui est parti aussi dans des délires. Bientôt, il nous annonce qu'il va y avoir une guerre civile en Russie. Bon, là, c'est, je sais plus où ces gens-là sont arrivés. On les avait vus se perdre dans l'euphorie de la contre-attaque à Kharkov, la contre-attaque ukrainienne à Kharkov en octobre 2022. Et puis, ils se sont reperdus avec celle sur Kherson à l'été dernier, enfin à l'été 2023. Et là, alors que la défaite de l'Ukraine devient de plus en plus évidente, ils se lâchent, mais alors à un point où on les avait encore jamais vus se lâcher. Bon. En Ukraine, je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques des villages qui ont été pris et pas pris. Ce qu'on observe surtout, c'est que la Russie avance de manière inéluctable, ce qui était d'ailleurs prévu, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on le dit, ça fait très longtemps qu'on connaît les capacités de la Russie. On sait très bien que lorsqu'elle s'est arrêtée, c'est parce qu'elle n'avait pas envie d'avancer. Et maintenant, elle avance exactement comme l'avait dit le général Sourovikine en octobre 2022 pour détruire le potentiel ukrainien. Et plus cette guerre dure, plus elle va conduire à la destruction du potentiel ukrainien, non pas à la conquête de territoire. Le problème, c'est que les Occidentaux n'arrivent pas à dissocier l'idée de victoire militaire de la notion de conquête territoriale. Et c'est pour ça que finalement, la conquête territoriale est devenue notre unité de mesure. Mais en réalité, l'unité de mesure réelle, ce serait le nombre de troupes ukrainiennes détruites ou qui a déserté ou qui n'est plus en état de combattre, si vous voulez. Sur tout ce qui s'est passé autour de la question des Nord-Coréens qu'on n'a toujours pas vu au combat, hein, on nous les annonce, ça fait maintenant plus de 10 jours, ils sont toujours pas arrivés sur la ligne de front, mais pour faire quand même une espèce de correspondance avec le narratif officiel, on a vu apparaître des montages absolument grossiers sur Telegram ce week-end, où on voyait des pseudo-cadavres de soldats coréens, nord-coréens, avec des types qui filmaient par-dessus des passeports de nord-coréens pour nous dire, bah voilà, un peu comme on l'avait vu pour les mercenaires occidentaux qui ont été liquidés la semaine dernière dans le saillant de Soudja et un peu plus loin en tentant de s'infiltrer derrière les lignes russes, où là on avait vraiment trouvé de vrais passeports authentiques avec des tampons, etc., de Canadiens, d'Américains. Là c'est des montages qui sont absolument grossiers et qui ne font que confirmer ce qu'on pense depuis le départ, c'est que tout ça est une vaste fumisterie, que derrière il y a l'idée que, puisque c'est ce que soutiennent ensuite les médias dans leur narratif, s'il y a des soldats nord-coréens, c'est une menace pour l'Europe, et donc faut que l'Europe et les États-Unis interviennent militairement auprès de l'Ukraine, et il faut que le conflit s'envenime encore un peu plus. Hein. Tout ça n'a que cet objectif-là en tête, hein. Rien d'autre et rien de moins. Alors, concernant l'affaire des troupes nord-coréennes en Russie, comme je l'avais dit la fois passée, il est possible qu'il y ait des troupes nord-coréennes en Russie, mais pas nécessairement pour aller se battre en Ukraine. Et il est probable qu'il y ait des nord-coréens qui soient en Russie, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils soient engagés au combat. Je pense d'ailleurs, et comme beaucoup d'ailleurs, que cette présence est davantage une présence des gens qui sont en formation. Certains disent en Ukraine, mais en réalité, il est plus probable que ce soit des gens qui soient en formation, ce sont dans des écoles d'état-major et des choses comme ça, c'est-à-dire à l'Académie Vorochilov, par exemple, de Moscou et des choses comme ça, où vous avez des formations de militaires. Et quand on parle, d'ailleurs, le nombre reste toujours extrêmement discuté. On vous dit de temps en temps 3 000, de temps en temps 1 500, d'autres fois 8 000, 12 000, 15 000. Bref, on a à peu près tous les chiffres, ce qui signifie qu'en réalité, on n'a absolument aucune information sur ces gens-là. Si on avait des unités en combattant en Ukraine, il faut bien se représenter les problèmes que ça pose. Les Russes ont fait une mauvaise expérience avec la compagnie Wagner à Bakhmout.
Encore qu'il l'avait mis à Bakhmout, c'est-à-dire sur une partie du territoire ou une partie du théâtre des opérations qui était comme une petite bulle, si vous voulez, qui était isolée du reste, vraiment dans Bakhmout et point final. Ce qui était relativement plus facile parce que intégrer une force dans une opération militaire, c'est un problème qui n'est pas trivial. Parce qu'il faut harmoniser les structures de conduite, il faut avoir les mêmes structures de communication, il faut avoir les mêmes, j'allais dire, les mêmes critères au niveau de la protection des opérations, de la sécurité des opérations, ce qu'on appelle l'OPSEC. Donc, vous avez toute une série de problèmes qui se posent lorsque vous intégrez une force étrangère. Et a fortiori des Nord-Coréens qui parlent probablement pas tous le russe, qui n'ont pas la même doctrine d'emploi, qui n'ont pas la même philosophie de faire la guerre. Les Nord-Coréens ont été entraînés depuis des décennies pour défendre leur territoire contre une agression venant du sud. Ça, c'est leur. Donc, ils ont une formation de défenseurs, si vous voulez. C'est des gens pour qui, comme d'ailleurs pour les Ukrainiens, on ne recule pas. N'est-ce pas? Cette idée que on défend un territoire et on défend chaque mètre carré. Alors que les Russes ont une doctrine beaucoup plus flexible, où le territoire n'a aucune importance, où on peut abandonner du territoire pour se regrouper et réattaquer, etc. C'est d'ailleurs ce que j'avais écrit dans mes différents ouvrages qui manquait à l'Ukraine, c'est cette capacité, cette flexibilité doctrinale et matérielle aussi, parce qu'il faut avoir le matériel pour le faire, c'est-à-dire cette flexibilité qui consiste à dire lorsque la présence ennemie en face est trop forte, vous reculez, vous vous regroupez et ensuite vous attaquez dans une direction suivante. Alors sur le théâtre des opérations, vous voyez sur la carte, on a sélectionné que 2 points d'analyse aujourd'hui. Il y a toujours des combats dans le secteur de Soumy et donc de Soudja, hein, dans le saillant de Soudja, mais ça reste avec des gains de part et d'autre, enfin des gains russes qui sont très limités pour le moment. Néanmoins, on a un concassage en règle des forces ukrainiennes qui sont toujours engagées dans le saillant et des renforts qui sont toujours acheminés. Par contre, là où on a vu qu'il y avait des évolutions intéressantes, c'est à Kupiansk et à Pokrovsk, hein, Pokrovsk qui est bien sûr l'endroit où se déroule l'essentiel du point d'effort de l'armée russe. Enfin, depuis, moi je le dis maintenant, depuis février dernier, on a vraiment cette longue, longue, longue séquence offensive qui n'en finit pas et qui ne s'essouffle pas dans le secteur de Pokrovsk. Alors, si on se réfère malgré tout au territoire pris, alors il est peut-être intéressant de revenir sur déjà ce que le New York Times nous montrait en septembre, il y a une année, un peu plus d'une année, où il montrait en bleu les gains qu'avaient eus les Ukrainiens durant leur contre-offensive, et puis les gains russes. Durant l'année, donc pendant et après cette contre-offensive. Donc, ce qu'on voit de ce diagramme, c'est qu'en réalité, les Russes ont repris à peu près tous les territoires que les Ukrainiens avaient pris. Mais dans le prolongement de cette réflexion, le New York Times vient avec de nouveaux chiffres aujourd'hui et nous montre une capacité ou plutôt des terrains capturés par la Russie qui sont enfin dans le prolongement de ce qu'on a vu en réalité. Dans l'encadré rouge que je viens de mettre, vous avez en fait ce qu'il y avait dans l'édition de septembre 2023 du New York Times, les gains et les pertes qui ont eu lieu jusqu'à la fin septembre 2023. Et à droite de ce rectangle, vous avez ici ce qui s'est passé en fin 2023 jusqu'en juillet, ou pardon, en octobre 2022, 2024, j'y arriverai. Et vous voyez qu'on a une accélération en réalité durant l'année 2024 des territoires conquis par la Russie, ce qui est cohérent avec ce qu'on entend dans les médias et ce qui a comme corollaire aussi que les troupes ukrainiennes soit sont détruites,
soit recule. Et beaucoup, en fait, sont détruites. Alors, je ne veux pas mettre ici les chiffres russes parce que ce sont des chiffres qui sont nécessairement, vus du côté russe, donc ils n'ont probablement pas la neutralité ou l'objectivité qu'il convient pour cette présentation aujourd'hui. Mais en gros, on peut dire que les Ukrainiens perdent évidemment davantage de troupes que les Russes, et ça, c'est un fait que l'on peut attester. Et on voit même d'ailleurs dans la presse ukrainienne, et ici un article du Kiev Post du 1er novembre, donc tout récent, qui montre l'avance des Russes dans un diagramme qui est publié par ce journal. Dans un diagramme, vous avez également l'avance hebdomadaire des Russes sur le territoire ukrainien. Donc, on voit qu'aujourd'hui, plus personne vraiment ne se fait d'illusions sur la capacité des Russes à avancer en Ukraine et finalement à asseoir leur supériorité d'une certaine manière. Donc Kupiansk est encadré en rouge. Vous avez un petit trait noir sous Kupiansk, c'est pour montrer le dernier pont qui relie donc la partie occidentale du front à la poche qui a été créée par les forces russes en attaquant donc depuis le sud, hein, depuis Pichané notamment, où là maintenant ces forces-là n'ont plus qu'un seul point de passage pour assurer l'évacuation des blessés, la logistique et les renforts. Voilà. Ou même leur évacuation si ce groupement était de plus en plus menacé par les forces russes. Pour s'évacuer, il ne lui reste qu'un seul pont qui est bien sûr soumis en permanence au bombardement et au bombardement de l'artillerie et de l'aviation russe. Les Russes commencent à attaquer vers le nord-nord-ouest pour en réduire de plus en plus la taille. Et en même temps, au nord de Kupiansk, hein, depuis Sinkivka, ils relancent des attaques pour cette fois-ci couper l'accès à ce dernier pont, ce qui mettrait les Ukrainiens dans un encerclement total. À noter que la route, hein, que vous voyez au milieu du cercle bleu et qui va vers Kupiansk, quand on arrive à la hauteur des positions russes de Sinkivka, elle est déjà sous les feux de l'artillerie russe et des mortiers russes en permanence. Hein. Donc c'est déjà très dangereux de circuler, d'acheminer du monde par cette voie-là. Et puis, donc au sud du saillant et de cette poche maintenant, et au sud du saillant que forment les Russes, on a aussi des attaques. Hein, les Russes se disent, bon bah maintenant il est temps d'avancer, hein, c'est les deux petites flèches qu'on voit en bas de la carte, il est temps de relancer les avances d'est en ouest pour là aussi, dans la poche sud qui s'est créée dans cette tête de pont à l'est de l'Oskol, et bien il est temps maintenant de repousser les forces ukrainiennes vers l'Oskol et vers les... alors là, il reste deux points de franchissement encore entre les mains des Ukrainiens qui sont eux aussi en permanence sous les tirs de l'artillerie et de l'aviation russe, ce qui complique l'acheminement des renforts, l'évacuation des blessés et l'acheminement de la logistique. Et ce qui fait qu'on a encore un niveau d'attrition des troupes ukrainiennes dans le secteur qui ne cesse d'augmenter. Donc le second point qui est celui qui occupe donc toute l'actualité ces dernières semaines et en continu, c'est bien sûr la zone de Pokrovsk. Hein, Pokrovsk est encadré en haut de la carte au nord. Et on voit, alors on a longuement parlé de ce qui s'est passé sur les attaques qui viennent du sud, hein, de l'ancien secteur d'Ougledar. On a vu les combats la semaine dernière aboutir à la libération de Selidové, etc. Et on voit que depuis jeudi, on a de nouvelles avancées russes dans cette zone, hein, avec comme point de focalisation des combats la zone autour de Korakhové, hein, qui est encadrée légèrement en bas de la carte sur la droite, où là on a
d'abord une petite poche hein, qui est maintenant en cours de réduction et qui se trouvait au nord de Kouarakove et qui est en cours de réduction parce que les Ukrainiens sont obligés d'abandonner leur position, ils n'ont pas de voie de repli, on en avait parlé au niveau des routes, pas de route importante. Et puis donc on voit se développer potentiellement un encerclement depuis le nord et aussi depuis le sud, hein, depuis Bogoyavlanka, depuis Chatarské, dont tous les environs ont été libérés hier. Et désormais, comme je l'expliquais jeudi, on a, à mon avis, pour les Russes, en ligne de mire, le contrôle du grand rectangle central, avec notamment Constantinople, où là, ça va être... et Andriivka qui c'est un autre petit village qui se situe juste au nord de Constantinople, où là on va avoir probablement le point où vont se rassembler les forces russes qui viennent du nord et celles qui viennent du sud pour créer un nouvel encerclement plus important de toutes les forces ukrainiennes qui se trouvent donc encore autour de Kouarakove. Ah, c'est pour moi, dans les jours qui viennent, c'est vers ce village, enfin, cette bourgade, que vont progresser en priorité les forces russes en forme de pince, hein, comme d'habitude. Ils laisseront probablement un couloir d'évacuation pour les forces ukrainiennes. Vous le voyez, les lignes bleues, hein, ça marque les lignes de fortification avec les fossés anti-chars ukrainiens. Et on voit également que au sud de Constantinople et donc aux alentours d'Oranné, on a une espèce de trou entre les deux lignes de fortification, les deux fossés anti-chars, parce que là le terrain est pas très favorable à la progression à travers champs, il n'y a que des routes très, enfin des chemins vicinaux, des routes secondaires, mais néanmoins par ce trou entre les deux fossés anti-chars, eh bien les Russes peuvent se glisser pour prendre la ligne de défense qui se situe au sud d'Oranné de Comar à revers. Donc, on a vraiment une situation qui est critique, que les Occidentaux auraient dû identifier bah, déjà au tout début, lorsque je l'avais mentionné, au début des années du conflit en réalité, avec, pouvaient le documenter déjà à l'époque, et aujourd'hui, ça finalement, on n'a que des confirmations. Donc, on pouvait s'y attendre, et c'est cette situation qui affecte aujourd'hui, eh bien, la démographie ukrainienne. Et le fait de vouloir continuer le conflit, comme le font les Européens, est une question qui devrait, comment dire, tenir compte de l'impossibilité de récupérer les vies humaines, si vous voulez. C'est-à-dire que on peut discuter du fait de savoir si la Russie avait raison ou pas. Moi, je pense qu'elle avait des bonnes raisons pour intervenir en Ukraine, mais c'est des choses qu'on peut discuter. Mais c'est des choses qu'on peut aussi négocier, ou plutôt qui entrent dans la négociation. C'est d'ailleurs ce que les Russes ont voulu faire en mars-avril 2022, où ils étaient prêts à négocier comment dire, cette situation. Et d'ailleurs, ils étaient prêts à rendre le territoire qu'ils avaient récupéré, rappelons-le. Donc, quelles que soient les raisons et la manière dont on aborde l'approche russe, il y a toujours une négociation possible. Or, aujourd'hui, les Européens poussant l'Ukraine et faisant carrément du chantage à l'Ukraine, parce que, en réalité, on lui impose de continuer la guerre pour continuer à l'aider à la fois financièrement et militairement. Et cette situation qu'on a depuis maintenant plus d'une année, en tout cas, je dirais depuis la fin 2022, en fait, que la Russie, l'Ukraine s'appauvrit militairement, humainement, c'est-à-dire démographiquement, et financièrement également. Et plus elle s'appauvrit, plus elle devient dépendante de l'étranger. C'est la raison pour laquelle Zelensky continue de manière inlassable à essayer de demander à ses alliés occidentaux de lui fournir de l'argent, etc. On nous a beaucoup parlé des déserteurs. Alors certains ont évoqué des chiffres jusqu'à 100 000 déserteurs. Vous imaginez bien que si en Ukraine, même si c'est un immense pays, il y avait 100 000 déserteurs, ce serait impossible qu'ils se cachent tous en étant aussi nombreux.
Qu'on en ait plusieurs milliers, ça paraît évident. Qu'une partie des gens qui ont déserté l'ont fait vers les lignes russes, c'est aussi bien évidemment une possibilité dont on a déjà parlé. Mais je pense pas qu'on soit arrivé à un chiffre aussi astronomique. Ça paraît tout à fait impossible en termes, je dirais, de leur propre logistique pour survivre caché dans le pays. Voilà. Et par rapport à ceux qui ont réussi à fuir, c'est pareil. Il y en a qui ont réussi à fuir, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont tenté de fuir et qui, malheureusement pour eux, ont été rattrapés par les forces constabulaires ukrainiennes et envoyés FISA sur le front en première ligne. Donc, qu'il y ait des milliers de déserteurs ukrainiens, ça nous paraît tout à fait probable. Le chiffre, une estimation, on ne va pas en lancer une parce que on n'en a pas qui soit assez solide. Moi, je pense que si on peut monter jusqu'à 5, 6 000 peut-être, hein, ce qui est déjà énorme, peut-être 10 000, en comptant ceux qui sont passés côté russe, ceux qui se sont qu'ont réussi à quitter le pays. Mais déjà 10 000, ça paraît énorme. Qu'après, il y a des gens qui soient comptés comme déserteurs parce qu'ils se sont pas présentés dans les bureaux de recrutement, c'est encore une autre catégorie. Alors on peut la mettre dans la case déserteur au global, mais bon, voilà, il faut rester prudent. On pourrait prendre une fourchette et dire il y a peut-être entre 5 et 10 000 déserteurs, ce qui est déjà énorme, hein, pour une armée dont on a pourtant dit que tout allait bien, que ça, elle gagnait, qu'elle repoussait les Russes, qu'elle était équipée du meilleur matériel du monde et commandée par les meilleurs chefs du monde. Hein, n'oublions pas que c'est ça le problème, hein, c'est ce qu'on nous raconte et puis la réalité à laquelle on assiste. On voit encore partout sur Telegram des scènes terrifiantes et douloureuses de types qui sont attrapés dans la rue par des sergents recruteurs. On est revenu à l'époque de l'armée de Frédéric Éric II de Prusse et de son père au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, je vous le rappelle incidemment, la mention des troupes nord-coréennes est arrivée à la mi-octobre, peu après la publication d'un article. Je ne sais pas si je l'ai ici, mais je pourrais vous le montrer. Non, je ne l'ai pas. Mais peu après un article qui avait été publié dans la... Voilà, c'était cet article-là, qui était publié par la RAND Corporation et qui préconisait une vaste opération de désinformation pour parler de la présence de troupes nord-coréennes en Ukraine, et on parlait même d'évoquer les forces spéciales, ce que d'ailleurs on évoque maintenant, les forces spéciales nord-coréennes, parce qu'elles auraient moins tendance à essayer de vouloir rejoindre l'Ouest, si vous voulez, ou passer à l'Ouest, etc. Donc, on a une entreprise apparemment de plus de communication qu'autre chose lorsqu'on parle de cette présence nord-coréenne, et elle a manifestement pour objectif de justifier la présence éventuelle de forces occidentales en Ukraine. Parce qu'on dit maintenant nous sommes attaqués, il y a deux pays qui nous attaquent, et donc ça justifierait que d'autres pays se joignent à l'effort de guerre ukrainien. Et c'est d'ailleurs en substance, rappelez-vous, un des éléments du plan de victoire de Zelensky qui prévoyait que les troupes de pays européens, occidentaux, s'impliquent physiquement avec des contingents sur le territoire ukrainien. Les électeurs américains vont décider de celui ou de celle qui va les diriger pendant les 4 prochaines années. Et en Europe, il y a une sourde inquiétude. Que va-t-il se passer si Trump est élu? Est-ce que l'alliance entre les États-Unis et les pays européens va survivre au retour de Donald Trump au pouvoir? En fait, bien sûr, le style de Kamala Harris et Trump est très différent. Mais sur le fond, les différences ne sont peut-être pas aussi importantes que cela sur de nombreux dossiers de politique étrangère. Alors bien sûr, Trump a menacé de mettre fin à l'OTAN, mais en fait, c'est une sorte de chantage. Il va demander à ce que les pays européens s'engagent plus pour leur défense, dépensent plus et achètent plus d'armes américaines. Mais en fait, Kamala Harris n'est pas très loin de cette demande, même si elle le fait en termes plus courtois et plus polis que Donald Trump.
Est-ce que Donald Trump abandonnera l'Ukraine? Oui, c'est tout à fait possible. Il a dit qu'il réglerait la guerre en 24 heures, ce qui veut dire la fin de l'aide militaire à l'Ukraine et dans ces conditions, finalement, très rapidement, la fin des combats, l'Ukraine demandant un cessez-le-feu. Et on voit d'ailleurs que le président Zelensky a lui-même anticipé une telle possibilité puisqu'il parle aujourd'hui de négociations, ce qu'il ne voulait pas faire avant. Ceci étant, si Kamala Harris était élue, il ne faut pas croire que le soutien américain à l'Ukraine durerait éternellement. En fait, les deux hypothèses, c'est si Trump est élu, c'est un arrêt brutal. Si Kamala Harris l'était, c'était un arrêt progressif. Mais très probablement, les Américains sont fatigués de devoir soutenir une guerre dont on ne voit pas l'issue, surtout que malgré l'aide importante que les États-Unis et les pays européens ont accordée à l'Ukraine, la Russie continue de grignoter le territoire ukrainien. Le comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale, ou APN, organe législatif suprême de Chine, a débuté sa 12e réunion ce lundi matin à Beijing. Durant la session de 5 jours, les législateurs chinois examineront des projets de loi clés et des modifications législatives. Le premier ordre du jour concerne un projet de loi sur l'éducation préscolaire, un projet de loi sur l'énergie et un projet de loi révisé sur la protection des biens culturels. Parmi les rapports que les législateurs entendront au cours de la réunion bimestrielle, celui sur le travail financier est très attendu. Les détails d'un paquet budgétaire visant à résoudre la question de la dette des gouvernements locaux chinois et à promouvoir une reprise économique régulière sont attendus. Au début du mois d'octobre, le ministre chinois des Finances, Lan Fohan, annonçait que le pays introduirait ce qu'il décrit comme la plus forte mesure d'allègement de ces dernières années, mais aucune donnée spécifique n'a pour l'instant été relevée. À la veille des élections présidentielles américaines, retour sur les moments clés d'une campagne électorale atypique. Janvier 2024, la course à la Maison-Blanche est officiellement lancée. En mars, Donald Trump est désigné candidat des Républicains et Joe Biden celui des Démocrates. Entre avril et mai, Trump est reconnu coupable de paiements dissimulés à Stormy Daniels, une ancienne star de l'industrie pornographique. 27 juin, le débat entre Trump et Biden est un désastre pour l'octogénaire démocrate qui bute sur les mots et semble totalement confus. Le 13 juillet, Donald Trump échappe miraculeusement à une tentative d'assassinat. Il s'exprimait lors d'un rassemblement de campagne en plein air près de Butler, en Pennsylvanie. La fusillade a eu lieu 2 jours avant le début de la convention nationale républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin, à l'issue de laquelle Donald Trump est désigné candidat officiel des Républicains et le sénateur J.D. Vance, colistier pour la vice-présidence. Joe Biden annonce le 21 juillet son retrait de la course à la Maison-Blanche. Il affirme ensuite soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris, qui s'impose durant l'été comme la nouvelle candidate du parti. Le mardi 20 août, Kamala Harris et son colistier Tim Walz sont officiellement investis par le parti démocrate à Chicago. Au cours d'un débat télévisé le 10 septembre, la candidate démocrate et son rival républicain exposent leur vision radicalement opposée pour l'avenir de leur pays. Un débat intense qui marque une Amérique profondément divisée. 15 septembre, Trump échappe à une seconde tentative d'assassinat sur son terrain de golf à Palm Beach, en Floride. Ryan Wesley Roth, un fervent défenseur de la cause ukrainienne, est arrêté. À 2 semaines des élections, les deux candidats battent pleinement campagne dans les fameux swing states, ces états pivots qui déterminent l'issue des élections. Au terme du décompte des votes, le 6 janvier 2025, le Congrès annoncera officiellement le futur président ou présidente qui prend officiellement ses fonctions le 20 janvier, jour du fameux Inauguration Day. Donc pour le moment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une légère progression du vote en faveur de Trump qui se manifeste dans les sondages. Donc encore une fois, vous savez ce que j'en pense, je prends ça avec beaucoup de prudence. Il y aurait également une avance, parce que les sondages nous font une avance en termes de voix du vote populaire, avec un reflet derrière sur le vote des grands électeurs dans les États clés, qui permettrait à Donald Trump de l'emporter de quelques grands électeurs seulement pour le moment, hein, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être une marge de dizaines, vingtaines de grands électeurs pour l'heure en fonction de ce que nous disent ces sondages. On verra demain, hein, la porte est ouverte à tout, y compris bien sûr la fraude électorale massive dont on a déjà parlé en 2022 autour des élections de midterms, avec donc des votes qu'ont permis au dernier moment
à la Chambre, donc non, la Chambre est devenue républicaine et au Sénat, pardon, de rester démocrate. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a eu des contestations avec, encore une fois, tous les problèmes que pose le vote par correspondance ou le vote électronique, hein, tout ça a été bien sûr mis en œuvre pour démultiplier une fraude qui, vous le savez, moi en tant qu'historien, je ne cesse d'en parler. Le cas le plus important, premier qu'on connaît, qui est documenté aujourd'hui, c'est l'élection de John Fitzgerald Kennedy en 60. Contre Nixon, on sait qu'il y a eu du bourrage d'urne, on sait qu'il y a eu une intervention d'une partie de la mafia en faveur de Kennedy. Voilà, et tenter de croire naïvement que tout ça n'a eu lieu qu'à cette occasion-là est une vaste fumisterie intellectuelle. Sur le plan du Proche-Orient, bah là aussi, dans les deux cas, c'est un soutien quasi inconditionnel à Israël. Alors Biden a exigé certaines choses, on peut peut-être penser qu'il a obtenu le fait que Israël ne bombarde pas les installations pétrolières et nucléaires iraniennes. Est-ce que Trump le permettrait? En même temps, Trump n'a pas non plus intérêt à ce qu'il y ait une crise économique mondiale, surtout s'il arrive au pouvoir, et qu'il y ait un baril de pétrole à 150-200 $. En tous les cas, certainement que Netanyahou espère que Trump soit élu, et lui d'ailleurs, dont on se demandait s'il serait encore au pouvoir il y a un an, l'est toujours, et il attend que Trump arrive à la Maison-Blanche pour avoir encore plus d'espace. Sur le plan de la rivalité avec la Chine, eh bien là aussi, il n'y a pas beaucoup de différences. C'est un sujet d'accord entre démocrates et républicains, un sujet d'accord entre Biden, Trump, Kamala Harris, c'est que la Chine est une menace quasi existentielle, qu'elle veut prendre la place du leadership mondial, place qui est attribuée aux États-Unis pour le moment, et que ceux-ci ne veulent pas abandonner. Et donc la rivalité entre Pékin et Washington sera le mot d'ordre de la politique américaine, quel que soit le ou la présidente qui soit élu. À l'approche de la présidentielle américaine, les investisseurs européens s'interrogent sur l'avenir de l'économie verte. Les États-Unis et le Royaume-Uni constituent les principaux débouchés pour les véhicules électriques et hybrides européens, avec des exportations passées de 2 à 26% au cours des 5 dernières années et qui pèsent près de 7 milliards d'euros. Mais la taxe de 10% sur les produits de l'UE promise par Donald Trump pourrait freiner cet élan. There is a growing demand and people would like to have electric vehicles. And it's always this chicken-egg challenge at the end of the day. So if there is a demand for electric vehicles, also infrastructure companies will invest into charging infrastructure. La loi de 2022 visant à réduire l'inflation, impulsée par Joe Biden, a permis d'investir 220 milliards de dollars dans les énergies propres, ce qui a fait bondir de 55% les ventes de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis en l'espace d'un an. Une initiative décriée par Donald Trump. Companies like IKEA, who have huge global fleets, very, very ambitious targets. I would say they're leading the pack. They're working very hard to get the right regulation in place in order for them to meet their very ambitious commitments. Global businesses with operations both sides of the Atlantic, you want to see a similar level of ambition. You want a consistency of ambition so they can deliver fleet electrification plans. Before maybe these markets are really solid and it doesn't matter what the government thinks anymore, right? But we got at least 5 more years before we're there. So I think it's very important that the US has to keep going. And if the US stops supporting the vehicles, I think it's a big problem. Kamala Harris soutient au contraire la loi sur la réduction de l'inflation. Si la candidate démocrate l'emporte, l'économie verte aura sans doute encore de beaux jours devant elle, mais il sera plus cher d'acheter des véhicules européens, de quoi affecter les exportations de l'UE. Et certaines entreprises prévoient déjà de s'installer aux États-Unis, comme cette société italienne. It is true that now with the elections, there are some concerns that that might change in the United States, but I also think that the ball is kind of rolling. I don't think really that any administration can stop this. Si Kamala Harris et Donald Trump affichent des conceptions radicalement opposées, tous deux plaident en faveur d'une approche protectionniste. Regardless of elections results, European competitiveness is at stake in this rapidly changing landscape. From New York, Michela Monte for Euronews. À la veille d'une élection présidentielle plus incertaine que jamais aux États-Unis, que pensent les Iraniens des deux candidats en lice, Donald Trump et Kamala Harris? Tour d'horizon à Téhéran. Harris,
choose again or it's a ramp truly in a support that and the fan loan was yet if the Soviet Iran as team it has but that fun. شخصا دوستان واقعی تهران باید سمور بشه چون عملا شرایطی اینجا میکنه که پول مردم ایران هر جوری یه وقتی ها نمیشه. از اونجایی که در آمریکا چیزی به نام ساختار نظاممند سیاست تحقق داره برخلاف ما، فکر کنم چندان تفاوتی اقلا در قبال ما نکنه که چه کسی رئیس جمهور بشه. اما شاید خب هریس رو غالبا ترجیح بدم به خاطر اینکه در مسئله اوکراین موضع محکمی داره و میگم حالا بر ما که خوب نمیشه، ولی خب اقلا شاید بر اوکراینیا بهتر بشه. به نظرم ترامپ، فکر میکنم عملکردش در خاورمیانه نابسامان تاثیرگذارتر باشه. هریس همون بایدنه که سیاستش در افغانستان که خیلی به ضرر ما باشه. Ces inquiétudes bien présentes en Iran font aussi écho à celles observées en Europe. Alors que l'élection se jouera au coude à coude aux États-Unis, il faudra peut-être compter plusieurs jours avant d'en connaître le résultat final. Directement dans la bande de Gaza, en commençant donc avec la partie nord. Donc au cours des batailles dans le secteur du camp de Jabalia, alors Jabalia c'est ici exactement donc sur la carte, le commandant israélien de la 401e brigade a été tué, donc il s'agissait du colonel Hassan Daksa, faisant donc de lui l'officier israélien le plus haut gradé tué depuis le 7 octobre 2023. Ce dernier se trouvait à l'extérieur de son char avec d'autres officiers lorsqu'ils ont été touchés par un engin explosif qui avait été posé au préalable. Le colonel est mort sur le coup et les autres officiers ont été blessés. Il est à noter que les brigades El-Qassam tendent régulièrement des embuscades dans le nord de la bande de Gaza, donc aux troupes israéliennes. Et toujours dans ce secteur, les brigades El-Qassam ont le 29 octobre ciblé une maison avec un lance-roquettes où se trouvait le général israélien Herzi Halevi, qui n'est autre que le chef d'état-major de l'armée israélienne, donc depuis janvier 2023, pour information. Donc ce dernier apparemment avait quitté le bâtiment juste avant la frappe, et n'a donc pas été tué ni même blessé. Et selon les brigades El-Qassam, 4 soldats israéliens auraient été tués dans le bâtiment suite à l'explosion. Il faut comprendre que pour l'Iran, cette riposte et le conflit qu'il a maintenant avec Israël a un peu dépassé le stade bilatéral. C'est-à-dire que on a eu ces échanges au mois d'avril, enfin depuis avril, entre l'Iran et Israël, et on a un peu ce sentiment en Europe que finalement ces deux adversaires presque historiques règlent leur compte entre eux. En fait, plus on avance, plus l'Iran se met dans la posture de celui qui prend parti dans le conflit régional maintenant entre Israël et ses voisins. Et à cause des exactions commises par Israël contre les populations civiles, l'Iran prend sa responsabilité dans le contexte, si vous voulez, ou le cadre d'un des principes que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur votre chaîne. L'Iran se place dans le contexte de la responsabilité de protéger, en fait. Et quand on voit les dernières déclarations qui ont été faites à la fois par le leader de la révolution et puis le chef des monsieur Hussein Salamé, le chef des gardiens de la révolution, qui parlent d'une réponse écrasante sur Israël, eh bien dans leur vocabulaire, on voit qu'on est aussi, les Iraniens incluent aussi le comportement d'Israël vis-à-vis des populations civiles à la fois à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Alors une des premières informations qu'il faut souligner, c'est l'arrivée de plusieurs B-52 américains, notamment au Qatar. Alors, est-ce que c'est un signe avant-coureur d'une intervention massive des États-Unis aux côtés d'Israël contre l'Iran? Ou est-ce que c'est un message qui est envoyé à Téhéran pour dire, bon, écoutez les gars,
Votre match avec Israël est terminé, même si sur le papier Israël serait à 2,5 contre 2 parce que c'est eux qui ont tiré les derniers, voilà. Mais vu le niveau de destruction qui a été enregistré en Iran, qui est très faible, et sur des infrastructures certes stratégiques, mais sans qu'elles soient en panne, bon, on peut en finir avec cette histoire et arrêter le décompte et arrêter les bêtises. Ou est-ce que c'est pour dire bon bah si les Israéliens se font à nouveau attaquer, on enverra des moyens encore plus lourds et notamment ceux-là. Bon, c'est voilà. En tout cas, il faut constater ce redéploiement de B-52 au Qatar depuis quelques jours. Hein. Ça a été noté hier et avant-hier, je crois. À surveiller, et surtout à surveiller par rapport, parce que là, tout va se figer, je pense, pour les 72 heures qui viennent, autour de ce qui se passe avec les élections américaines. Hein, il faut pas se leurrer. Un schéma qui se répète systématiquement pour attaquer les installations sanitaires, les installations médicales, en Palestine, d'une manière générale, et enfin là, l'enquête porte essentiellement sur Gaza. Donc on voit qu'il y a une systématique dans l'attaque de ces installations médicales. Évidemment, tout ça n'a pour effet que de légitimer, si vous voulez, l'action iranienne dans la défense des populations civiles. Il faut noter en Israël, Charles Anderlin sur X nous signale quelque chose d'absolument terrifiant qui montre à quel point le gouvernement de Netanyahou, soutenu par les kahanistes et notamment Ben-Gvir, le ministre de l'Intérieur, sont devenus cinglés, c'est que maintenant ils ont arrêté plusieurs membres des familles des otages israéliens à Gaza, parce qu'ils manifestent nuit et jour dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem contre la politique du gouvernement Netanyahou. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais jeudi dernier, vous avez des innocents qui sont retenus en otage à Gaza, et le gouvernement de leur pays déjà mène une guerre complètement folle en nous disant on va les libérer, alors qu'on sait que ce type de guerre n'aboutira pas à leur libération, qu'il a fait capoter toutes les négociations de paix supplémentaires, notamment cet été, qui auraient pu permettre un arrêt des combats avec des échanges de prisonniers palestiniens et de certains otages. Et en plus, maintenant, il arrête les familles des otages quand ils ont le culot, du point de vue de Monsieur Ben-Gvir et de ses amis kahanistes, ils ont le culot de manifester bruyamment et violemment dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem. Voilà où en est arrivé le gouvernement israélien aujourd'hui. Nous voulons voter. Voilà ce que scandait cette foule de Moldaves réunie autour de l'ambassade de Moldavie en Russie. Nous voulons voter, et pourtant, ils n'ont pas pu, car il n'y avait pas assez de bulletins de vote pour eux. Maia Sandu, la présidente sortante pro-occidentale de Moldavie, a obtenu plus de 55% des voix, selon des résultats presque complets. À l'issue d'un second tour crucial, assombri par des soupçons d'ingérence. Moldova a fost sub un atac fără precedent pentru istoria întregii Europe. Bani murdari, cumpărare ilegală de voturi, implicarea în procesele electorale a unor forțe ostile din afara țării și a unor grupări criminale, minciuni, inducerea urii și a fricii în societatea noastră. Poporul nostru s-a unit, iar libertatea și cetățenii au câștigat. Sandu a pu compter sur la diaspora moldave pour creuser l'écart avec son adversaire pro-russe, Alexandre Stoyanoglo, qui a terminé loin derrière avec un peu moins de 45%. La police moldave a déclaré dimanche qu'elle disposait de preuves raisonnables du transport organisé d'électeurs vers les bureaux de vote, ce qui est illégal en vertu du code électoral du pays. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que des bureaux de vote en Allemagne et au Royaume-Uni avaient été la cible de fausses alertes à la bombe visant à interrompre le processus de vote. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Moldavie a demandé à adhérer à l'UE. Bruxelles a accepté d'entamer les négociations.
Le virage pro-européen a contrarié Moscou, qui nie toutefois s'être immiscé dans cette élection. On va bien sûr démarrer par l'élection en Moldavie, l'élection présidentielle, où la candidate sortante, hein, Maia Sandu, a été réélue. Hein, c'est ce qu'on apprend ce matin par rapport au décompte des voix, et notamment les voix en provenance de la diaspora à l'étranger, parce que tout au long de la nuit... Je me suis couché assez tard pour essayer de voir où on en était jusque tard cette nuit, où on nous annonçait que les deux candidats étaient au coude à coude, et puis le décompte des votes en provenance de l'étranger a fait basculer le vote en faveur de la candidate sortante, hein, qui est donc une candidate pro-américaine, pro-Union européenne, pro-OTAN, qui malgré donc une victoire à environ 55% des voix, nous dit que tout ça, ça a été fait au milieu des ingérences russes, avec donc des votes qui n'ont pas été forcément tout à fait orthodoxes, dirons-nous, et avec des irrégularités, avec encore une fois, semble-t-il, des bourrages d'urnes. Enfin bref, elle l'a emporté avec 55% des voix, mais de justesse, parce que les méchants russes étaient au coin du bois. Alors est-ce qu'on fera revoter cette fois-ci, comme on voudrait le faire en Géorgie? Est-ce que l'élection sera invalidée ou pas? Je pense que non, puisque comme pour le référendum d'il y a 15 jours, quant à l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, qui a été gagnée dans les mêmes circonstances par le camp de Madame Sandu, et donc le camp favorable au rattachement, si j'ose dire, de la Moldavie à l'Union européenne, eh bien, puisque la victoire même sur le fil a été obtenue, on fait pas de on ne demande pas à revoter dans ces circonstances-là. C'est que si on avait perdu, qu'on aurait demandé à ce que l'élection soit éventuellement invalidée pour qu'elle ait de nouveau lieu. Hein, on voit bien, encore une fois, le deux poids, deux mesures. Si on constate de graves irrégularités, quel que soit le résultat final, soit on conteste et on revote, soit on conteste pas et on dit bon bah tant pis, ça n'a pas pesé sur le scrutin. Mais là, bah on pourrait les pro-russes pourraient dire, les candidats de l'opposition pourraient dire bah attendez, écoutez, il y a eu des irrégularités, elles sont pas forcément de notre fait, hein, parce que là, encore une fois, on nous présente une situation où c'est bien évidemment le camp pro-russe qui aurait fait des irrégularités. Les autres sont d'une moralité tellement élevée qu'ils en sont bien évidemment tout à fait incapables. D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur les huées qui ont accueilli le roi, la reine et les dirigeants espagnols hier à Paiporta. C'est la petite ville au sud-ouest de Valence qui a été dévastée par les inondations. Oui, le bain de foule qui tourne au bain de boue, un crime de lèse-majesté sous l'œil des caméras de jamais vu dans l'histoire du royaume. Le souverain est resté stoïque sous la bronca, il n'a pas reculé, il a refusé la protection des boucliers. La reine aussi a supporté les cris et les lancers de boue. Mieux, l'un et l'autre sont allés au contact des habitants, ils avaient les mains vides face au désespoir. Il y avait des larmes dans les yeux de Laetitia. On a vu le roi discuter avec un jeune homme qui l'instant d'avant hurlait sa rage. C'est terminé en abrasso, en embrassade, en hug, en bon globiche. Vous réagissez, Dimitri. La scène a duré une heure avant que le couple royal écourte la visite et annule la suite du programme. Dans la soirée, le roi a dit qu'il fallait comprendre la colère et la frustration en raison de ce que les habitants ont subi. De bout en bout, il aura été d'une grande dignité. La semaine dernière déjà, il s'est adressé le premier aux habitants de la région dévastée pour leur dire sa peine, alors que la classe politique s'abandonnait à ses querelles habituelles. Mais que venait faire le roi d'Espagne au milieu du chaos, Vincent ? Son métier, ce n'est pas le genre de ministre qui se précipite sur les lieux de la catastrophe en gênant les secours, mais à la veille du week-end, les réseaux sociaux s'interrogeaient sur son absence et on racontait que le gouvernement socialiste l'empêchait d'aller à Valence. La meilleure façon de démentir cette rumeur, c'était de se rendre sur place. Le problème, c'est d'y aller en compagnie du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez et de Carlos Mazón, qui dirige la région depuis l'an dernier avec une majorité de droite. Alors d'ailleurs, c'est bien de le préciser, mais c'est à ces deux hommes-là, et non au roi et à la reine, que les habitants de Paiporta criaient hier « Asesino, assassin ». Le président de la région, parce qu'il a du mal, il a mal évalué la menace. Il a même tweeté à midi vendredi « Pas d'inquiétude, tout sera fini à 18h ». Et c'est le contraire qui s'est produit, le ciel s'est ouvert, la région s'est noyée, les habitants
habitants ont été piégés sur les routes inondées. On comprend mal d'ailleurs comment la météo nationale a pu se tromper aussi lourdement, mais il est tombé trois fois plus de pluie que prévu. L'une des régions les plus riches d'Espagne s'est retrouvée comme le Bangladesh qui disparaît à marée haute pendant la mousson. Quant au gouvernement, il paye pour le retard des secours. À Paysportin, on n'a pas encore vu les renforts de l'armée ni de la police. Les habitants restent privés de courant, il manque de vivres, de communication, parce que les routes et les infrastructures ont été évidemment détruites. Ils sont harassés après 8 jours au milieu de ce chaos. Et il y a un contraste saisissant entre l'élan de solidarité spontanée avec ces volontaires armés de balais qui aident à dégager les rues ou qui apportent des vivres et la médiocrité de la classe politique confite dans ces querelles haineuses. On le disait la semaine dernière, 93% des Espagnols considèrent que le premier problème du pays, ce sont les politiciens. Pedro Sanchez et Carlos Monzón ont fui rapidement hier sous les insultes et les huées et les pierres. La vitre arrière de la voiture du Premier ministre a été défoncée. Ils ont laissé le roi et la reine derrière eux. Et pire, hier soir, les autorités s'interrogeaient sur une éventuelle implication de l'extrême droite dans ce début d'émeute. C'est l'habituelle rengaine, l'éternelle recherche d'un bouc émissaire. Heureusement, il y a le roi. Mais à Valence, la goutte froide est sans doute la goutte d'eau qui fait déborder la vase. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi va l'Espagne. Vincent Hervouet, merci. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. En publiant son rapport annuel sur l'état de l'Union de l'énergie, la Commission européenne s'est livrée à un traditionnel exercice de style, mêlant comme à son habitude idéologie et autosatisfaction. À en croire ses auteurs, tout va bien dans le meilleur des mondes énergétiques. Et l'Europe, non seulement a su faire face à la crise énergétique née de la guerre en Ukraine, mais encore a dépassé cette crise afin d'amorcer sa nécessaire transition énergétique. Le rapport met en avant pêle-mêle la baisse de la dépendance de l'Union vis-à-vis du gaz russe, la réduction de la demande de gaz, les stocks de gaz remplis à 90%, la part des énergies renouvelables en hausse constante dans le mix énergétique et, puisque tout va bien dans le meilleur des mondes, un prix de l'énergie qui serait stable et largement en dessous de son maximum atteint lors de la crise de 2022. Ce panorama idyllique qui nous est présenté par la Commission européenne est un véritable village Potemkin visant à détourner l'attention des peuples européens de la réalité de sa politique qui se résume à un triptyque dévastateur, idéologie, dépendance et récession. Idéologie d'abord lorsque le rapport se félicite de la croissance, de la part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, là où en réalité le totalitarisme vert et les injonctions de la Commission européenne condamnent des filières d'excellence comme le nucléaire. Dépendance ensuite, car il est fallacieux de prétendre que l'Europe a gagné sa souveraineté énergétique en se coupant du gaz russe. Bien au contraire, l'Europe est plus dépendante que jamais. Non, plus du gaz russe certes, mais du gaz de schiste américain dont la production a explosé afin de satisfaire la demande européenne malgré son coût financier et environnemental exorbitant. L'Union européenne fait également appel au gaz importé du Qatar ou du Kazakhstan. Démocratie exemplaire, c'est bien connu. Mais également au gaz russe, qu'elle n'achète plus directement à la Russie, mais indirectement à des pays tiers qui revendent ce gaz avec une forte plus-value. En voulant punir Moscou, l'Union européenne a livré notre économie à la toute-puissance américaine sans faire souffrir la puissance russe. Récession enfin, car loin de la relance économique vantée lors du lancement du pacte vert européen, les nuages s'amoncellent au-dessus de l'économie de l'Union. Plombée par des choix idéologiques hasardeux qui privilégient le verdissement de l'économie à la compétitivité internationale, l'Europe n'a plus les moyens de concurrencer les autres puissances mondiales. Alors que les énergies renouvelables coûtent de plus en plus cher et que certains secteurs clés s'enfoncent dans une crise durable, toute l'économie européenne est menacée de récession. Les tensions qui naîtront de cette crise économique feront tomber le mensonge de la prétendue autonomie énergétique européenne et permettront, nous l'espérons, de renouer avec le pragmatisme défendu par notre groupe des Patriotes. Merci. 13h51, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le procès Samuel Paty. Donc, est-ce qu'il aurait pu être sauvé, Samuel Paty? Cette question évidemment douloureuse, insupportable, va planer sur ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris, 4 ans après l'assassinat de ce professeur d'histoire géo. Devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, 8 personnes seront jugées pour leur implication présumée. Écoutez Yanis Roder, professeur d'histoire géographie, et pour lui, Samuel Paty est mort parce que le danger a été sous-estimé par les institutions. Les renseignements territoriaux n'ont
ne semble pas avoir pris assez au sérieux la menace qui pesait sur Samuel Paty. Quant à l'éducation nationale, certains ont pu prendre les choses au sérieux, d'autres, me semble-t-il, ne l'ont pas fait. Parce que je crois qu'il y avait un problème de prise de conscience du danger qui visait Samuel Paty. Le danger a été sous-estimé par les institutions en général. Alors évidemment, c'est facile de parler a posteriori. Le 13 octobre 2020, j'étais en Sorbonne, j'écoutais, avec les équipes Valeurs de la République, j'écoutais Bernard Rougier, le spécialiste de l'islamisme. Bernard Rougier a dit, il faut être attentif parce que l'école est une cible pour les islamistes. C'était 3 jours avant. Voilà Yannis Roeder, le procès d'une série de failles, un engrenage. Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, alors, c'est Michaël Paty, la sœur de Samuel Paty, qui l'a dit, Dominique Bernard serait encore en vie. La vérité est terrible. C'est le procès d'un engrenage, d'une série de failles, une faillite de l'État, des institutions. Une faillite de l'État, incontestablement. D'ailleurs, il manque à ce procès, il manque le principal accusé de mon point de vue, qui est l'État. Vous remarquerez que la famille de Samuel Paty a fait 2 procédures pour mettre en cause l'État et les pouvoirs publics pour non-assistance à personne en péril d'un côté, puis une procédure administrative initiée par Michaël Paty très récemment. Oui. Pour faire condamner également l'État pour abandon, ou je ne sais quel est le critère juridique qui a été retenu. Mais donc, effectivement, cet accusé-là manquera, me semble-t-il, dans ce procès qui s'ouvre. Maintenant, il sera intéressant pour nous, pour essayer de comprendre quel est le mécanisme de ce djihadisme d'atmosphère qui a multiplié les désinformations et les fake news afin malgré de faire les signalements, malgré les alertes, les signaux d'alerte. Afin de faire croire que Samuel Paty avait tenu des propos qu'il n'avait pas tenus, et puis pour montrer effectivement la grande lâcheté même du corps enseignant lui-même. Parce qu'il y a l'autre scandale, qui mériterait d'ailleurs peut-être également d'autres mises en cause judiciaires, c'est que vous avez une partie du corps enseignant qui n'a pas soutenu, sans parler de l'administration, mais qui n'a pas soutenu Samuel Paty non plus. Et plus généralement, il y a ce qui est en accusation aujourd'hui, c'est tout cet aveuglement idéologique. Je voyais que Libération, ce week-end, titrait sur les morts évitables en accusant le régime espagnol des inondations à Valence, mais les morts évitables, ils étaient d'abord auprès de ceux qui n'ont pas voulu s'ouvrir les yeux sur la force terroriste de cet islamisme-là, qui tue non seulement des professeurs, mais qui a tué également des civils en France notamment. Oui, Olivier Lartigol. Libération fait des pages aujourd'hui sur Samuel Paty qui sont de qualité. Il y a une plainte contre l'État qui est toujours donc à l'instruction. On verra ce qu'elle donne. Est-ce que Samuel Paty aurait pu être sauvé? Oui. Je prends juste une dimension, mais il y en a beaucoup, c'est l'absence de protection policière qui se justifiait par 2 critères. D'abord, la rupture de l'anonymat de l'enseignant, puisque son nom était mis sur les réseaux sociaux par les islamistes, et la gravité d'une affaire liée aux caricatures de Charlie Hebdo, donc on sait ce que cela pouvait vouloir dire. Et donc une simple protection policière aurait permis, voilà, donc ça, mais il y a d'autres éléments dans l'académie, dans le référent laïcité, dans tout ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'Éducation nationale ou alors de l'Intérieur. Donc tout ça, j'espère que ça ira au bout et qu'on aura le procès concernant la dimension donc des responsabilités de l'État, et on suivra bien sûr tout ce qui peut se passer dans le cadre de ce débat. On en est encore à l'instruction. C'est à l'instruction. Ça n'avance pas du tout. Exact. Et comme le dit Laurence de Charette, c'est peut-être aussi l'occasion, dans les colonnes du Figaro, de réordonner en profondeur les politiques d'immigration et exigences d'assimilation. Voilà. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.